Le Premier ministre tunisien Habib Essid a demandé un vote de confiance au Parlement ce mercredi 20 juillet. Cette requête intervient une semaine après la signature de l'accord de Carthage au palais présidentiel en son absence. Accord souhaité par le président Béji Caïd Essebsi et qui devrait ouvrir la voie à la formation d'un gouvernement d'union nationale. Selon la constitution tunisienne, si ce vote de confiance n'est pas renouvelé, son gouvernement sera de fait considéré comme démissionnaire. Il existe quatre scénarios pour le départ d'un chef du gouvernement. Démission, vote de confiance, motion de censure ou alors le président de la République demande à ce que la confiance du Parlement soit révisée. La première est inexistante pour moi. Je ne suis pas un soldat qui déserte le terrain de bataille. J'ai donc choisi la deuxième, qui est la moins compliquée des trois autres. Ceux qui disent que mon choix est alimenté par mon envie de rester encore plus au palais de la Casbah ne connaissent vraiment pas Habib Essid. Selon certains observateurs, l'issue de ce vote serait déjà connue d'avance. En effet, Atem Ferjani, député de Nida Tounes, a déclaré que son groupe parlementaire ne renouvellera pas sa confiance envers Habib Essid. Étant donné que cette position est également valable pour tous les partis qui ont, comme Nida Tounes, signé l'accord de Carthage, 85% des sièges au Parlement seraient donc favorables à son départ. La plupart des partis sont pour son départ. La manière de faire du Premier ministre sortant est un sursaut d'honneur pour un peu répondre à cette façon d'être congédié sans que ça soit vraiment clairement dit. Le résultat est connu d'avance. Son départ est souhaité, mais lui, il se positionne pour l'avenir et il veut marquer le coup pour annoncer cette sortie à la tête du gouvernement. Jeudi 21 juillet, à l'issue de la réunion du bureau de l'Assemblée des représentants du peuple, le président du Parlement, Mohamed Ennasser, a annoncé que la séance plénière consacrée au renouvellement du vote de confiance au gouvernement de Habib Essid se tiendra le samedi 30 juillet prochain. Le chef du gouvernement devra obtenir un minimum de 109 voix au Parlement pour conserver son cabinet.